Et oui les petits amis, c'est Geoffrost38, aujourd'hui on se trouve sur un nouvel épisode de Company of Heroes Opening Round Mode. Donc comme vous avez peut-être pu le remarquer, changement de température, changement de région et peut-être même changement de pays. Nous sommes plus donc en Normandie ou en Hollande avec Blitzkrieg Mode, mais on se retrouve maintenant, vraiment en Allemagne, mais on se retrouve maintenant en Belgique et dans le nord de l'Alsace, voire même l'Alsace, avec le mode Battle of the Bulge 3.5, Unternehmens Norwind, Opération Vent du Nord en français. Battle of the Bulge, la bataille de la Belgique, hein. Je pense que là, je suis pas très loin de traduire. Alors, ça fait un long moment que j'ai pas fait de vidéo pour certains, hein. Ça va être un peu le petit râle pour d'autres, bah ils vont peut-être être heureux de revoir des vidéos, dont un que je remercie d'ailleurs, qui m'a dit de continuer, ça fait toujours plaisir. Je n'abandonne pas Blitzkrieg Mode, hein, vous inquiétez pas. Je vais continuer d'ailleurs mettre aussi dans le lien des Blitzkrieg Mode, ce que j'ai oublié, c'était le lien du forum. Il y a le forum Blitzkrieg que j'ai d'ailleurs zappé de mettre dans les liens des vidéos, donc je vais le remettre. Si vous voulez aller voir, allez jeter un coup d'œil. En même temps, ça me fait après, vous pourriez voir l'autre mode si vous l'avez pas vu, donc Blitzkrieg, que je vous conseille d'ailleurs. Donc comme vous le savez, Blitzkrieg Mode et Battle of the Bulge sont pour moi les meilleurs modes qu'il y a pour Company of Heroes. C'est mes préférés, hein, c'est pour ça en même temps je fais des vidéos que je vous les partage, hein, pour vous les faire connaître. Il y en a d'autres, j'attends aussi le développement, style Earth in Front, et les deux modes que je vais utiliser pour les campagnes, Opening Front et Back to Basic. Donc, je n'ai pas continué les campagnes, pourquoi? Tout simplement j'ai eu un bug, un gros bug, c'est un mode avec les campagnes, c'est normal, j'essaie de me dépatouiller en ce moment. En fait, je pense qu'il faut que je rétrograde, ce sera le plus simple où j'augmente la version, mais bon, je vais rétrograder, on verra déjà comment ça se passe, et j'espère reprendre incessamment sous peu, donc pour les vacances. Qu'est-ce que je voulais encore dire? De plus, j'avais aussi oublié de parler, donc le mode qui fait Première Guerre Mondiale, que je mettrai aussi peut-être, comme j'en ai parlé, je le remettrai dans le lien de cette vidéo, avec tout le reste des autres liens. Et voilà. Alors, le lancement en fait, de cette nouvelle série, je mets ça entre guillemets, car ça reste les HS, hein, c'est les HS via d'autres modes, je vais donc parler de la bataille de la Belgique, de l'opération Vent du Nord, donc qui a eu lieu au nord de l'Alsace, au nord de Strasbourg, au niveau de Haguenau, pour ceux qui connaissent, où il y avait la 100e Airborne, elle avait déjà pris cher pour la Hollande, elle a pris cher pour la Normandie, elle avait pris, on va dire, cher lors de la bataille de la Belgique, hein, ils ont encerclé la Bastogne et près du Bois Jacques, qui ont permis à la contre-attaque lors de l'offensive sur Foix, et se sont retrouvés après Haguenau, où il y a eu l'opération Vent du Nord, l'opération Nordwind. Et je vais aussi parler, grâce à ça, qui est quasiment dans les mêmes zones, et en fait on a quasiment les mêmes unités et les mêmes camouflages, et comme on a de la neige, et bien de la poche de Colmar. Pour certains, ça a peut-être choqué que j'ai mis un K à Colmar. Bah oui, à l'époque, on était sur territoire allemand, on était en Allemagne, hein, à partir de l'Alsace-Lorraine. Donc, bah, j'ai mis avec un K pour mettre un peu plus. Voilà, mettre un petit K, au moins ça change un peu. Ça fait. Bon, peut-être des personnes ils vont pas aimer, mais bon, voilà, moi ça me dérange pas. Alors, je vais parler de la poche de Colmar, en tout cas aujourd'hui. Prochaine vidéo, j'espère peut-être faire la mission sur Foix, une map sur Foix, en fait, là, reprendre la map Foix et faire comme dans Band of Brothers le film, la série télévisée, et refaire avec un ami. En tout cas, j'espère si on peut le faire, sinon je vais décaler. En parlant un peu du mode, en fait, ce mode permet à rajouter énormément d'unités comme Blitzkrieg, hein, ils sont quasiment subis les deux et ils sont encore en développement d'ailleurs pour la suite. Du changement dans les doctrines, de nouvelles unités, oui, en fait, comme Blitzkrieg, comme je dis, ils sont suivis. Et bah, ce qu'il y a de bien, c'est comme c'est la bataille de la Belgique, bien, on a forcément des maps en Belgique et on a des maps, toutes les maps sont enneigées. Et qui est pour moi d'ailleurs, c'est ce qui est génial dans ce mode aussi, hein. C'est à voir. Une autre partie d'une grande bataille, moins de grandes batailles qui ont été aussi connues, qui sont géniales pour moi. Donc, c'est parti. Hop, maintenant on va parler du mode. Oui, comme d'hab, je vais pas écrire Band of Brothers, pas grave, hop. Alors, on va parler un peu de ça, donc je vais me retrouver de nouveau sur Plane 331 pour parler en fait de la percée de la poche de Colmar au niveau de Siegelsheim, pour ceux qui connaissent un peu, je dis des noms, après vous avez juste à trouver. La poche de Colmar est pour moi un endroit qui n'est pas oublié car en fait elle a été pour moi, en tout cas de ce que je connais, des renseignements que j'ai, quasi aussi meurtrière que la poche de Falaise, donc à un moment à ne pas oublier. C'est un peu oublié, je vais essayer de voir si je peux lancer quelque chose en faisant de la reconstitution, donc on verra. Qui plus est, donc je vais parler un peu de la poche de Colmar durant la vidéo pour pas non plus faire trop longtemps sur cette page. Donc vous voyez qu'on a comme d'hab Alliés et Axe, mais on n'a qu'une seule armée chez les Américains, on a juste l'US Army, on peut avoir en renfort les Britanniques dans la troisième doctrine, et bah pour les Allemands en face c'est la même chose, hein. Nous avons juste la Wehrmacht et nous avons dans une des doctrines nous aurons les SS. Alors tac, vous voyez qu'on a beaucoup de choses, je vais faire annihilation en illimité, élevé aube mi-journée, je vais être en base 3, donc en 6 mon allié ici et deuxième normaux ici, voilà. Est-ce que c'est bon, 5-6, ça c'est bon, change de position de départ, on est en 3 et 2 et 5-6, parfait.
Alors, comme je le disais, voilà, la poche de Colmar. Les Alliés sont arrivés fin 44, début 45 à reprendre Strasbourg et Mulhouse. Et donc encerclés en fait Colmar dans une poche. On a encore une reste d'armée allemande qui restait pour traverser le Rhin. Mais l'état-major américain ne voulait pas percer cette poche ou ne serait-ce que sacrifier des unités, entre guillemets, bêtement. Mais comme l'état-major français voulait absolument vider l'Alsace de toute occupation nazie et récupérer l'Alsace pour dire c'est bon, l'Alsace est de nouveau française, ils ont fait des bras et des pieds pour absolument avoir de nouveau cette partie du territoire. Car je vous rappelle que certains généraux à l'époque étaient alsaciens de naissance et d'origine, comme le général Leclerc, qui avait changé de nom. Il s'appelle général Leclerc pour pas que sa famille soit embêtée à cause de ça. Donc en fait, ils ont perdu énormément d'hommes et l'Alsace, en tout cas certains villages le long du Rhin, donc tout ce qui est sur la ligne Andolsheim, Jebsheim, Bikerschwihr, il y a quoi encore comme autre village que je connais qui était Sigolsheim par exemple, et d'autres villages tout autour de Colmar en fait qui ont été méthodiquement, et je dis bien méthodiquement, rasés par les Américains. Il restait que 2-3 murs debout. Hein. Vous cherchez des photos, vous verrez que bah, certains villages, je crois que c'est Bikerschwihr ou c'est Jebsheim, il y a l'allée centrale du village. Il y a juste les murs des maisons qui sont au niveau de la route qui est encore intact, sinon le reste est broyé. Il est pour Sigolsheim. Hein. On a dû reconstruire avec des campements, en fait, des baraques militaires, reconstruire les villages comme ça de base. Donc il y a quand même. Là, ça fait pas mal morfler. Donc c'est pour ça que je dis que ce n'est pas non plus à oublier. Donc, tac, tac, on va commencer. Y a vos dans les parages. Restez vigilants. À faire. Voilà, ça. Alors, le temps que ça construise d'ailleurs, je vais voir si je peux baisser un peu le son. Volume principal. Voilà, on va baisser un peu le son. Voilà, au moins vous m'entendez un peu mieux et moins le jeu. Donc vous allez voir en fait, tac, les petits changements du mode. Donc déjà comme je disais, il y a de la neige partout, hein, ça neige, il y a des flocons de neige, les arbres sont enneigés, etc. Donc déjà un gros point pour moi, hein, qui rend le mode très agréable. Les doctrines, je vais tout en parler après dès que j'ai commencé à prendre un peu de territoire. Et vous voyez que, pas que les unités sortent d'ici. Ils sortent en fait du renfort et pas du QG, ce qui est pas mal non plus, ce qui est un changement. Et pour les captures de base, bah, vous voyez en fait qu'il n'y a pas de drapeau. Je rentre dans le terrain et on a un APC ici de capture de pourcentage. Ici là je suis pas dans le bon, donc voilà. Je suis à 5%. Ce qui est aussi pas mal. Moi, j'aime bien. Personnellement. Parfait. Toi, tu vas rester dans le coin. Et toi, tu vas gentiment aller par là-bas. Pour t'emparer du territoire. Voilà. Donc, on va envahir hein, tout le territoire possible et imaginable. Avant que les méchants, entre guillemets, américains arrivent. Donc, vous voyez, j'ai de nouveau tous les bâtiments pour construire. J'ai ici... Tac, tac. Pas grand chose, j'ai donc le point de ralliement, le centre de soins, l'hôpital de campagne et l'atelier de réparation. Donc j'ai une MG42 déployée, je vais tout de suite installer là en défense. Donc d'ailleurs en parlant un peu de l'MG42, hein, on peut voir son skin si possible. Voilà. Tac, voilà. Du blanc hein, simplement, hein, ça a été travaillé ça aussi donc extrêmement bien. J'apprécie énormément ce mode pour ça hein, aussi. Hein. Voilà. Tac, tac, hop. Et on va parler un peu un tantinet des doctrines quand même, hein. Je pense que ce n'est pas... Il faut que j'en parle, parce que sinon ça va être assez complexe après d'en parler un peu trop longuement. Longuement, pardon, longuement, longuement. Donc j'attends juste que cette unité sorte pour pouvoir la déployer et pseudo m'installer au niveau de la colline, déjà l'envahir, parce que je vois que les Américains ont déjà réussi à envahir. Donc, par exemple, les vols grenadiers. Parlons des vols grenadiers, déjà pour commencer, ce sera déjà pas mal. Vous voyez que c'est une section de 9 hommes que j'ai de base. C'est pas une section... Basique. Là j'ai pas grand chose, j'ai l'Opel Blitz et le SZKFZ-11 de réparation. Il est pardon, utilisé uniquement pour réparer les unités blindées, donc les chars, les camions, etc. Donc vous voyez que même les unités là sont travaillées, nous avons des gants pour certaines unités, des gants laine, la capote, etc. Et qui est pour moi aussi extrêmement bien, voilà, je redis, ce mode est génial comme Blitzkrieg. Voilà, donc je vous le conseille hein, comme d'autres. Ensuite, 9 unités que je peux améliorer, SCG-44 et Panzerfaust, donc PMP-40, donc déjà il y a du montée de level dans l'unité, hein, c'est plus une unité de tafiole, c'est vraiment une unité qui commence déjà à avoir du grade, et qui est vraiment utile. Au début, on va dire que les vols grenadiers, entre guillemets, voilà, hein, c'était pas non plus exceptionnel. Ah oui, c'est vrai, je ne peux pas encore créer, car il faut que je déploie plus d'hommes. Par contre, je vois que les Américains ont repris du territoire, et mes alliés font pas grand-chose. Voilà, et les Américains ont une section de 10 hommes et je vais me faire broyer simplement parce que mes alliés ne font rien. Ils sont useless. C'est classe, grande classe. Donc, le temps... On va pouvoir... Alors, espérer les éliminer le plus vite possible pour reprendre le terrain. Comme ils n'ont pas l'air de s'occuper de moi, je vais avancer un peu.
là, ils sont retournés. Pas de mâchoire. Hop, c'est bon. Donc vous voyez quand même 10 hommes, ça fait quand même beaucoup. Et aussi sur un campage hivernal, hein, capote, etc. Voilà. Voilà, on va récupérer vite le, la position. Et on va récupérer le d'autres partages, voilà, d'autres territoires dans le coin. Tout en s'installant. Tout en s'installant, voilà. Voilà. Ensuite, pour les doctrines, nous avons... Ah, zut. Ouais, voilà. Je vais essayer, mais ça m'étonnerait que je puisse. Ah, je vais me faire broyer. Ah non, je vais pas me faire broyer avant. Je me suis fait broyer avant, c'est pas grave. Alors, pour les doctrines, nous avons donc la 7ème armée, qui est donc la doctrine pseudo-défensive anciennement, la 5ème Panzer Armée, qui est la doctrine du Blitzkrieg, et la 6ème SS Panzer Armée que vous parlez. Donc, pour la 6ème SS Panzer Armée, nous avons tout ce qui est ici du renfort hors map d'espionnage, car je vous rappelle quand même que durant la bataille de la Belgique, certaines unités SS se sont revêtues avec des uniformes américains pour espionner, changer les panneaux, tuer d'autres américains, hein, tout dans le grand secret, etc. Pour vraiment mettre le merdier dans l'opération américaine de d'aide derrière. Donc nous avons ici une section de sabotage en fait de l'opération CRIF, je ne me trompe pas, c'est juste en fait des sections de sapeurs en uniforme américain qui vont saboter, clairement, et espionner. Ici nous avons une Jeep américaine capturée avec des soldats en uniforme, et Altrak je crois aussi, non, pas Altrak, et ici nous avons en fait le Panther camouflé en M10 et le Stubb camouflé en char américain, je ne sais pas trop lequel c'est, pour attaquer et espionner, avec un Altrak aussi. Ici nous avons du renfort hors map d'assaut, ici c'est donc le Chaleur Group Knittle, donc avec un FDKFZ 151/22 Pack Wagon avec le KM75, hein, le Altrak avec le KM75. Donc c'est un groupe d'intervention rapide avec Schumwagen et des unités d'infanterie. Ici nous avons en fait le Kampfgruppe Hansen, où nous avons en fait des SS Panzer Grenadier en Altrak et un Jagdpanzer 4. Et ici bah, le Kampfgruppe Piper, ça vous connaissez, avec le Tigre 2 et des unités d'infanterie. Nous avons ici en fait l'assaut déterminé qui permet donc de faire une opération coup de poing dans les unités américaines. Pas plus détaillé là-dessus, vous connaissez déjà. Les percées tactiques, en fait, nos forces ont réussi à percer, à traverser les lignes ennemies, qui a permis à la mise en place, voilà, de voies de ravitaillement, nanana, donc ça augmente mon revenu. Et ici nous avons des réserves de l'Oberkommando de la Wehrmacht, qui sont en fait des divisions SS, qui me permettent d'avoir des réductions de temps et de production de 30% sur toutes mes unités de production. Ici à la 5ème Panzer Armée, donc nous avons le Halftrack de médical, nous avons les renforts du Jagdpanzer Abteilung 519 Jagdpanther, et nous avons les renforts du Sturmmauser Abteilung 1000, donc Sturmtiger. Nous avons ici, après l'opération Stosser, donc des renforts de Fratschimjäger, qu'on peut pas racheter. La 15ème Panzer Grenadier Division, en fait, ça augmente mes Panzer Grenadiers à 8 hommes dans la section, et ils sont forcément plus forts. Et nous avons ici la 9ème Panzer Division, en fait, qui donne des réductions de 30% sur tous les chars. Les chars uniquement, hein, je précise, de ma production, si je prenais sa doctrine. Et à côté, donc nous avons le Alpha de munitions, comme d'hab, en fait, sur la gauche, c'est vraiment du renfort ou de la logistique. Nous avons donc la logistique de la force de munitions. Nous avons capturé des dépôts américains, donc le carburant de votre main. Permet de ravitailler vos troupes en carburant sûrement. En fait, ça redonne plus de carburant pour mes unités. Et enfin, ici, nous avons atteindre la Meuse. C'est l'opération coup de poing. En fait, c'est un peu le blesserie. Donc, mes unités sont plus rapides, plus féroces et plus hard à détruire au combat. Et nous avons enfin la 7ème armée, où nous avons le Butterpanzer capturé de la 5ème Parchim Jäger Division. Donc, on a capturé un Sherman qu'on peut utiliser qu'une seule fois. Nous avons l'appui de Flak Abteilung pour avoir les quadrotubes de 20 mm et 48. Nous avons ici le Abteilung 506, donc renfort de Tigre 1 ou Tigre 2 aléatoire. Nous avons ici fortifié le périmètre et les mitrailleuses au-dessus du plan, hein, au-dessus de mes bâtiments. Nous avons les Falchim Pionniers qu'on ne prend près, c'est de très bons pionniers qui sont en même temps des combats. Donc en fait, ils sont beaucoup plus efficaces au combat, mais ils sont également plus coûteux. Et nous avons enfin le FDKFZ 251/7 Pionnier Wagon, donc c'est un Altrak avec les ponts mobiles et un pack de 37 mm. 37 mm tchèque. Et nous avons enfin ici pour la patrie, c'est donc voilà, un fanatisme patriotique procure un bonus défensif à toutes les unités amies dans un territoire contrôlé. Ici nous avons tenir à tout prix la faveur de la ferveur conduit vos hommes à combattre plus férocement quand ils subissent des pertes. Et enfin nous avons l'opération Bodenplatz, en fait c'est l'Oberkommando, on a des chasseurs bombardés, donc des Jarbos Focke-Wulf, et on a des Messerschmitt équipés de bombes qui vont bombarder et mitrailler une zone donnée où il y aura plus d'une unité. Et c'est donc cette doctrine que je vais prendre, et je vais prendre le Butterpanzer que je vais amener ici le plus rapidement possible. Ah, en face ils m'ont sorti quand même de la bonne grosse infanterie, donc ça risque de faire mal, ça risque de faire très mal. Eux ils ont appelé quoi, un Half-Track, d'accord. Je pense que je vais aussi le faire pour soutenir un peu mes hommes.
On a déjà les Pioneer Wagon que je vais créer, et on va créer ça et ça pour avoir le plus de soins possible, même si je mets ça derrière. Alors, ils sont à 5 hommes encore, ça va, ils tiennent le coup, ils tiennent le coup. 5 hommes, ça tient, ça tient. Voilà, on a donc mon Sherman ici capturé, hein, sans le Sherman. Par contre, j'ai quasiment plus de batterie dans mon chronomètre, qui en l'occurrence mon portable, hein. Je pense que je vais pouvoir m'expliquer plus que ça. Je veux tenir jusqu'à qu'il faut que je dégage. J'ai pas le choix. Le Half-Track qui aura un camouflage, et vous voyez qu'en amélioration j'ai ça, la MG42, hein, c'est plus en fait un bâtiment, c'est tout simplement, eh bien, je dois l'améliorer pour la MG42, et là je replie mes unités car ça ne sert plus à rien que je les garde, et elles vont se faire broyer. Allez, 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 dépôt de munitions ou un QG, non, il doit être près du QG. À côté du QG là. Ah, QG avec dépôt de munitions. Ok, d'accord. Il faut que j'attende pour avoir des QG, et dépôt de munitions. Donc. Parfait. Mon Sherman est arrivé. Donc, c'est pas un espionnage. Hein. Par contre, ça, c'est tout. Ça, c'est... Non, ça, c'est chiant. Ça peut détruire. Alors... Hop, hop, hop. Voilà. Mes pionniers. Pas le chimpionneur, en fait. Donc, vous voyez, c'est déjà, ils sont améliorés lance-flamme de base. Et je peux encore améliorer MG42 derrière. Ils sont tous armés de STG-44 ou MP40 ou un quart. Déjà, il y a du high level dans mes unités. Je pense que ça, vous l'avez compris. Hop, on redéploie mes hommes là-bas. Toi, toi, on t'améliore. Toi, on t'améliore. On va te mettre là, toi, le Half-Track. Et vous, les Fall Championers, vous allez tout simplement monter dans la colline comme les autres. Par contre, vous avez peut-être vu que ce Half-Track là est tout blanc. Parce qu'en fait, il a eu la saleté aléatoire que c'est le Half-Track blanc qui sort. Et pas un autre. Alors, par contre, il faut que je sorte et que j'améliore enfin ça. Paf. Alors, par contre, je vois que... Voilà, c'est bon, je vais pouvoir attaquer ça. Ah, waouh. Hop, c'est bon. On va avancer le Half-Track aussi. Ensuite, donc, vous voyez maintenant que dans mon caserne avancée, j'ai des Panzerjäger. Donc, c'est des Panzerjäger Fallschirmjäger, je précise. Nous avons ici des Fallschirmjäger lambda. Des sections de mortier de la, de gendarmerie de la Grenadier, enfin de la Wehrmacht. Le FDKFZ-111 que j'avais parlé. L'Opel Blitz, le Half-Track. Le canon en 275 mm Fallschirmjäger. Et le pack 75 d'infanterie de Fallschirmjäger aussi. Alors, par contre, j'ai perdu des unités, ce qui est un mortier dans le coin. Il a l'air quand même d'avoir un mortier dans le coin. Donc, je vais pouvoir faire ça pour la patrie. Alors, eux, ils sont toujours pas fait gauler là-haut, tant mieux. D'ailleurs, il faut que j'ai quoi pour avoir la bombe? Ah, bah voilà. Voilà. Et j'ai de quoi créer au cas où ça, et donc espérer faire l'ellipse après la construction de ce bâtiment. Et ici, pas grand chose de plus, hein, je vais tout constater, mais... Pour l'MG42, tu... Ah, voilà. Et le Half-Track qui est un peu modifié, mais bon, on avait ça devant, ça derrière. C'est un mode, voilà. Comme d'hab, je veux faire la pub de ce mode, donc j'en profite. Et regardez-le, il est extrêmement bien. Là, ça construit, là, ça construit d'ailleurs. Faire ça pour épauler l'MG42 qui est toute seule là-bas. Hop, on récupère le territoire. D'accord, eux je sais même pas comment ils sont venus là. On va s'occuper de les virer. Hop, on va virer ces méchantes unités là-bas. Tac. Hop, on va être là. Allez, tuez-moi ces paras, au moins vous êtes très expérimenté comme unité et... Non, vous arriverez pas. Non, voilà, bien sûr c'est des paras, donc forcément. C'est des unités très très résistantes. Et ça par contre tu vas me le zigouiller. Toi. Ça c'était sûr et certain. C'est pour ça que toi.
Hop, et voilà, dans le dernier bâtiment que je prends avant de faire l'ellipse, nous avons donc ça amélioré. Ça me permet d'avoir en fait des unités qui vont me reconstruire mes unités quand ils sont aux alentours. Nous avons ici le l'officier Pachimager, le FDKZ 222 de reconnaissance Pachimager, l'Enable Werfer Pachimager, l'artillerie FH-18 allemande grenadier, et ici les Alstrak FDKZ 251/16 Flammen Panzerwagen. Ouais. Hop, c'est bon. Donc, maintenant que tout ça a été fait... Oui, non, peut-être... Allez. Ok, d'accord. Alors, rien. Il ne le fera pas. Soldat tué, courait. Bah, ça, c'était sûr. Hop, les Américains contre-attaquent. Tac, repli. Donc, voilà. Donc maintenant que c'est fait, on a presque 21 minutes là, juste la présentation du début du mode. On va rentrer à la fin et comme d'hab la défense de la colline après. Donc voilà, c'est donc 2.68, merci à toutes et à de plus, ellipse. Re-hello les petits amis. Donc voilà, on se retrouve maintenant que je peux commencer à fortifier la colline et à tenir donc mes positions pour être sûr que les méchants, les alliés ne reprennent pas la colline, à moins de vraiment... Dommage. Bon, c'est ton pote qui a pris, mais... C'est bon, c'est le... Hop, maintenant on commence à faire la tranchée, comme d'habitude. Ah, mais... Peut-être pouvoir lui replier aussi. Ça peut jouer. Ouais, ils me mettent vraiment cher hein, pour le moment. Hein. Hop, allez. Maintenant je vais. Ouais, on les replie pour refaire le plein. Donc j'avais sorti. Alors déjà, le nouveau bâtiment. Donc nous avons le Altheizer Pachimäger. Nous avons le Stug 4, normal. Le Stug 42 de division Pachimäger et le Jagdpanzer 470 d'une division Pachimäger. Vous voyez que le Stug 42 c'est un Stug 3. Customisation, track, tout ça, c'est le bas d'un Stug 3, le haut d'un Stug 3, modifié pour ça. Donc on va déjà améliorer ça et le remonter dans la colline en fait pour pouvoir faire ce que me reste à faire pour la défense. Je vous rappelle que c'est loin d'être fini. Hop, une tranchée là. Toi t'es pas full repli. Toi tu seras full, tu seras la première unité à être affecté à une tranchée. Mes packs sont prêts, mes hommes sont prêts, toutes mes petites unités sont prêtes à droite, à gauche, prêtes à être montées, tout ça. Donc d'ailleurs, j'aime pas ce bruit. Hop, toi tu vas là-dedans. Toi tu t'installes. Là. Donc vous voyez, j'ai sorti un Tigre 2 en appel de renfort en fait, parce que ça commençait à puer en bas et j'ai réussi à retourner à la situation. Bon, ce terrain n'est pas encore à moi, pour vous rappeler ça. Ça, je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, je vais pouvoir le faire. Et voilà. Donc ça, certes, n'a pas été... Ah, est-ce que mes unités sont améliorées du Panzerfaust? Oui, ils sont améliorés du Panzerfaust, tant mieux. Et eux, ils le sont aussi, tant mieux. Donc... Non. Je vais mettre un peu plus anglais comme ça, voilà. Hop. Donc toi tu vas te mettre là. C'est de raser ça. On va essayer de raser tout le reste là. Enfin, en tout cas, ça un peu. Et ça. Non, le Tigre 2 fait son taf. Hein. Ça on n'a pas à lui reprocher. Hop, 2. On va commencer à faire la défense aussi. Ça, ce n'était pas obligatoire hein, dans Sigolsheim, totalement ruiné par mes alliés, mais bon. Alors, par contre, je veux que vous attaquiez ici et que le terrain soit pris, monsieur. S'il y a possibilité. Hop, ça en boule. Parfait. Toi, tu passes par là. Donc oui, c'est tout un travail, hein, comme vous le savez, de faire cette colline, de faire attention qu'il y ait tout au bon endroit.
J'aurais espéré avoir un tigre 1 à la place du tigre 2, mais bon. On va tout avoir, hein, ça, vous êtes d'accord avec moi. Ce que je vais essayer de faire... Déjà ça. Là. Toi, tu te replies par là. Et là, il va me falloir le tigre 2 pour détruire tout. Donc, tigre 2, t'avances par là. Toi, tu te replies par là en attendant déjà. Hop. Et normalement, il est censé avoir des unités dans le coin. Voilà, là. Où je vais pouvoir continuer à faire la défense de mes tranchées. Tac, tac, tac. D'ailleurs, en attendant, mes hommes vont dans les tranchées. Parce que sinon, je vais me faire broyer. Toi, tu passes. Voilà. Donc pour certains, vous allez me dire, tiens, on a vu que le camouflage du 80 était différent. Oui, j'ai pris un camouflage d'un mode pack, en fait, qui était l'ancien de Earth in Front. On avait le Hummel, le Yak Panther, l'Opel Blitz, qui est d'ailleurs du même ton, il est aussi gris comme ça. Et j'ai préféré, donc je préférais mettre ce 88, ça rendait un peu mieux avec les petits feuillages dessus, donc voilà. Petit custom de ma part. D'ailleurs, c'est quoi ça là-bas? C'est ça? Un Sherman, d'accord. Bon, bah, il sera arrêté normalement par mes unités, ça, je n'ai pas à avoir peur. Et mes unités alliées aussi. Donc. Ensuite, paf, paf, voilà. On va déjà faire ça devant le 88, au moins ça c'est fait. Puis on va le mettre tout de suite là, ici. Et on va pouvoir s'attaquer au reste à côté. Donc le tigre écrase ça, on va tourner. On va écraser le reste d'ailleurs. Et pour le moment, on va mettre le tigre ici le temps que je fasse ma défense. Parce que sinon, hein, certes, ça va être un poil compliqué de terminer ce que je veux faire. Donc, le terrain est en train de se faire capturer. Je m'en fous, allez-y. Bon, il y a quoi comme Sherman? Du Sherman... Ah, il n'y a pas du Sherman lambda. Bon, j'espère que mes unités vont pouvoir se débrouiller. En tout cas, mes alliés. Hein. Mes unités, moi, ça, il n'y a pas de souci. Mais mes alliés, je ne sais pas. Hop, maintenant, on va commencer à faire ça. Et attaquer tout de suite par derrière. Ouais, en fait, non. Ça m'étonnerait qu'ils arrivent à se démerder sans moi, donc... On va envoyer le tigre 2 à la rescousse parce que là... Et toi, tu vas tout de suite me faire le 88 mm. D'accord. Hop, c'est pas ça. On va un peu le reculer. Voilà, le mettre ici. Allez, go. Tout par là, on va couper à travers champ. Allez, allez, allez. Donc, la flaque, c'est au cas où, comme vous avez peut-être pu remarquer, ils ont pris une doctrine de la... de la Luba Feu, mais de la 101ème Airborne. Donc là, sur le coup, ça m'embête un peu. Hein, je suis donc obligé de prendre une doctrine, une autre doctrine. Ben, cette doctrine, elle me permet de me défendre moi-même, parce que sinon, je me perds, mais... broyer. Vous voyez ce que je veux dire. Là c'était sûr, je ne pouvais pas vraiment plus le mettre dans comme je veux, hein. Je suis un poil bloqué. C'est de reculer un tout petit peu la tranchée, de quoi. Il y a juste ça qui m'embête encore. Bon, pour le moment, ça ce n'est pas, on va dire, une grande obligation. Pour pouvoir déjà commencer à mettre mes packs. D'ailleurs, me dépêcher de sortir aussi une nouvelle MG42 parce que sinon je suis dans la merde. Oh putain. Pardon, excusez-moi, le gros mot est sorti tout seul. Allez, allez, allez. You mad. Oh oui. Ah, voilà. Déjà il va faire la gueule et maintenant lui part au dessus, les américains vont aussi faire la gueule, ça c'est sûr. Voilà. Voilà, on va rester comme ça. Et on va terminer ce qu'on a à faire. Donc
Ensuite, paf. Je sais pas si vous avez entendu ce qu'il a dit, mais son commentaire était pas mal. J'ai pas mal apprécié son commentaire. Ouh, hé. Bon. Ah, zut. Je viens de me faire hacher menu. Hein, là, c'était clair, net et précis. Hein, dans tous les termes, hein, je me suis fait mais broyer. Ensuite, toi, tu te replies. On va commencer à faire les pseudo-défenses du pack. On va déjà bloquer la route ici. On a 30 minutes, ça va, on est dans les temps. Pour le moment, on est dans les temps. Certes, les Américains sont repris du poil de la bête, mais on est dans les temps. Alors là, je vais sortir ceci. Vous allez me dire qu'est-ce que c'est. C'est d'un équipage de char. En fait, quand un char est détruit, un équipage américain ou allemand va sortir, et on pourra le replier. Moi, je les replie pour pas qu'il se fasse capturer, parce que oui, nous pouvons capturer des unités ennemies. C'est, disons, étrange. Mais on peut le faire, on peut capturer des unités ennemies, donc bah... Voilà. Alors, on va redonner l'ordre, en fait, d'attaquer vers là-bas. Moi, les Américains, ils vont se déplacer, ça me permettra, moi, de terminer ma colline. Les packs ont l'air d'être bons, donc je vais pouvoir commencer à les installer. Vérifiez la hausse, vite. Prêt à avancer sur la série. Vérifiez la hausse, vite. À vos ordres. On va les reculer, déjà, parce que là, ils sont un peu trop en avant, comme d'hab, voilà. Il y a toujours une unité qui va dire un poil dissidente et qui a l'air de vouloir se suicider. Hop. Voilà. On va l'avancer, peut-être ça me permettra de le... Non, on va l'avancer parce que cette unité là-bas au fond elle m'énerve. J'aimerais qu'elle soit derrière. Comme ses potes. Alors toi déjà tu vas te bouger. Je vais me faire avoir mes unités avec, le pack là-bas qui squash. Voilà, c'était sûr. Alors, le tigre. Non? Oui, peut-être, je sais pas. Voilà, hop. Parfait. C'est vraiment ce que je voulais faire, mais parfait. On va profiter avec les Américains. Hop. Voilà, 2-1. On va rester un peu en arrière. Attendant, hein. Espérant que l'ennemi soit gourmand. Voilà, il y a deux... Ah, attends, on est deux dehors. Je comprends pas. Les packs sont bêtes, je ne vois pas pourquoi. Il faut absolument qu'ils se mettent dehors. On va échanger de place, hein. Je vois que vous avez absolument envie de vous faire broyer et hacher menu. Je ne vois pas vraiment l'utilité, mais bon. Je perds du temps à vouloir essayer de vous installer correctement. Donc oui, ce village a pris, on va dire, très cher dans le sens que, bah... Il y a de l'unité, hein. Je voulais mettre des mortiers, mais à part ça, oui, ben, je vais mettre deux mortiers, trois mortiers, ça me donne... J'ai plus de points après, hein. Alors que je fasse gaffe avec les pertes de troupes. Hop, avance. Et ça me laisse à portée de mes 88, c'est ce que je voulais, parfait. Voilà. Voilà, parfait, maintenant, toi. Bien sûr, il faut qu'il sorte. Ah, bon Dieu de nom de Dieu. Allez, bon, là, il me déploie tous, hein. Allez, hop. Ok, bête comme c'était. Ce pack est con, je suis désolé de dire ça, mais ce pack est con. Ensuite, mortier, va là-haut. Le half-track est là, je vais pouvoir le réparer. Alors le tigre, petit camouflage hiverna, à part le seul bémol, c'est les chenilles. Donc j'aurais peut-être pensé à un tigre E avec les gars de roulement, donc si peut-être ils le font à la prochaine mise à jour, la
la correction, avoir des chenilles correctes, la tour à l'utigre, peut-être. Peut-être que. On va passer tout par là. Hop, ouais, mortier, on va mortier, on est à 35 minutes, on a perdu 5 minutes à essayer d'installer des packs quand même, hein, c'est... Ah, voilà. Ok. 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 Je vois ce qui pose problème. J'aime comment mes sacs de sable me résistent comme ça. Ah non. Oh, parfait. Alors, j'espère juste qu'ils vont pas tous se pousser en mode on va aller à l'extérieur des sacs de ça, parce que sinon, ça va. Ils se mettent devant le pack. Il aurait pu avoir pire. Ça, j'aime pas, par contre. Alors, est-ce que, par contre, mes MG42 arriveront à s'installer? Ça, c'est une autre paire de manches. Toi, il va falloir monter aussi. Vous allez me dire, Joe, ton half-track est en place. Oui, je vais d'ailleurs le déployer tout de suite. Oui, parce qu'en fait, bah, c'est un half-track tout simple. Hein. Comme tu as dit, Scrick, hop, on sort. Nous avons des sapeurs là qui, eux, répartent. Voilà. C'est leur objectif, c'est pas mal. En plus, c'est un peu de point de réalisme. Donc là, on va calmer là-bas le jeu des paras. Là, ça va vraiment les calmer, ça. D'ailleurs, je vois que ce pack est vraiment installé, mais comme c'est pied. Non, il dit avance. Voilà. Ah, enfin. Et d'ailleurs, il va évoluer, je pense, pas mal. Parce que les unités qu'il y a là-bas en bas, il surveille bien, c'est ce qu'il faut, parfait. J'aurais un peu plus avancé, mais bon, pas non plus faire de grandes critiques. Voilà. Le tigre, il est bon. Donc la colline tient, même si pour moi il n'y a pas eu d'assaut, vraiment, on va dire un gros assaut majeur. Et vous pouvez voir qu'elle tient. Elle est robuste. Ok, ça, ça va pas. Alors ça, normalement. Ah, ça, c'est bon. Ouf. Hop, on va essayer, on la décale un tout petit peu, parfait. Et enfin... Lui, il est plein, hop. Je sais qu'envoyer un char sans infanterie, c'est du suicide. Mais, voilà. Par contre, il va me falloir une unité de ça en plus. Parce que là, j'en vois pas tout seul en fait mes troupes, elles vont se faire broyer. Équipe de Flammenwerfer prête. Pourquoi vous me mettez pas là? Allez, il va très bien, ma dent de dragon. Allez, Arbeit. Ah voilà, donc vous voyez que des unités américaines sont rendues. Donc un équipage de chars précisément. Et devant, ce sont des unités, un équipage de chars aussi. Donc voilà, mettre main sur la tête, aussi une très bonne animation, on n'a pas franchement à critiquer ça, je trouve ça superbe. Voilà. Alors le Shtug roule là-dessus. 39 minutes, parfait, on va arriver à 40 minutes quand j'aurai fini la colline, je vais dire la colline. Parfait. Hop, unité de grenadier opérationnel. Crash. Voilà. Ça, on recule. Toi, tu vas pouvoir construire ça. Toi, tu vas pouvoir te replier. Et toi, t'améliorer. Et vous tous, vous faire de la montée. Ensuite, si je mets des Falchimieger là, ça laissera un Falchimieger de côté. C'est bon. Jusqu'à là, on est bon. Ça veut dire qu'il y aura une unité ici. Ici, avec un lance-roquette.
ici il y aura déjà un lance-roquette et ici il y aura la MG-40. Ah, il tente, hein, ils essayent. Et il me manquera une unité de farchim de grenadier, pardon. Donc là, ils pourront faire tout ce qu'ils veulent. La colline, ils me la prendront plus. Croyez-moi. Donc. Ah oui, j'avais zappé ça. Ah, ça, j'avais zappé. Ah, le bonheur d'installer une tranchée dans le jeu. MG-42 s'est installé à l'extérieur, c'est logique. Parfait, je vais pouvoir parfait, je peux récupérer mon le territoire. Aïe. Alors, non. Écoutez, je les veux de l'autre côté. Ah ok, d'accord. Repli vers le point de ralliement, puisque je vois que pas l'air de vouloir. Vous n'avez pas l'air de vouloir beaucoup me motiver à bouger. Alors, je voulais pas mettre la tranchée très basse, déjà d'une part, parce que sinon je vais me faire Asphalt par les alliés, ça va. Elle est pas aussi basse, mais non, non, en fait, si je peux la remonter, même si elle est pas anglée comme je le voulais. Alors, j'avais une position avant que je pouvais utiliser. Le problème, c'est que je la mets là, elle te fout pas de moi, quoi. Voilà. C'est comme si elle servait à rien pour le 88. Parce que là j'aimerais bien la tourner et ce qui me fait chier c'est de nouveau ça. Ensuite le tigre. Voilà. Ah, il y a un mortier qui m'a Asphalt. Voilà. Voilà. Bon. J'espère trouver peut-être la position en attendant. Non, bon. On va essayer une dernière fois ici. Voilà, là non. J'aurais bien voulu le juste milieu entre les deux, ça aurait été parfait. Donc on va devoir le faire. Toi tu viens te mettre là. L'ordre de base. Infanterie lance-roquette sur le long de la tranchée, d'ailleurs il va falloir encore de l'infanterie. Tac, on va les monter. Voilà. Moi comme ça c'est fait. Voilà. Pouvoir maintenant prendre la tranchée sans aucun souci. J'espère. Et si, il y a plein de soucis parce qu'elle ne veut pas. Ça m'aurait étonné sa mère. Oui, oui, vous allez peut-être vous dire que là je rage, oui, parce que je merde à poser une tranchée, alors que là, si je la mets pas, certes, mais sur mes plans, ce sera pas possible. Et là, pour mes plans, c'est pas possible non plus. Alors que je trouve un moyen plus pratique de mettre une tranchée ici, parce que sinon, le 88 n'aura pas. Et habituellement, elle rentrait. Mais en tout cas, dès que j'avais fait l'autre test de la vidéo, c'était parvenu. Là, je peux pas. Je ne sais pas pourquoi, je vois pas ce qui bloque. À part peut-être le 88 en lui-même, donc je vais essayer un peu de la décaler. J'aurais bien voulu le juste milieu là aussi. Et là, elle veut pas. Alors, est-ce que c'est la route qui bloque? Même non, la route devrait pas bloquer. Alors, c'est de reculer. Alors, si je le recule, là, forcément, ça va entre guillemets mieux, mais ça va toujours pas. Donc, pour le moment, la tranchée est pas là. Donc, on a quand même perdu la masse de temps, 10 minutes pour mettre deux pauvres canons, une tranchée. Donc,
Comment vous dire que là je l'ai très mauvaise. Hein. Hop, on va récupérer le territoire qui me manque. Le tigre qui surveille l'arrière de la colline, je sais, c'était pas logique. Non. Non, non, vous venez là, les gars. Et vous pouvez. Alors, on va juste tourner le pack, voilà. Parce que là, ah bah voilà. Voilà, et bloqué aussi à cause de l'MG. De tourner un peu plus le canon. Oui, je là c'est entre guillemets juste de la logistique hein, que j'essaye de placer. Alors attends, t'as pas l'air de bien vouloir comprendre ce que je te demande depuis avant. Mitrailleuse, tu vas te mettre ici, vraiment le plus à gauche possible, et elle a pas l'air de vouloir se mettre à gauche. On va bouger la mitrailleuse. Ah, 46 minutes pour foutre une mitrailleuse, hein, et des hommes et une tranchée, c'est rageant. Voilà, maintenant est-ce que tu veux bien te mettre là? Non, t'as pas vraiment envie, d'accord. On va mettre le pack le plus tourné possible. Et pas possible. Là, il y a vraiment quelque chose qui... Voilà. Je veux me faire chier, ok. Bon. Ah. Est-ce qu'il peut tirer jusque là? Parfait. MB42, canon prêt. Donc vous voyez, des fois ça peut bugger encore des unités américaines qui se rendent. Et toujours pas de tranchée opérationnelle. Le problème c'est que... Je serais obligé de les mettre droite. Voilà. Et même là, je peux même pas la mettre droite. Tiens, on va trouver la plus... Ah, en fait, ouais, c'est la route qui bug. Ah, c'est la route, en fait, qui veut pas que je construise dessus. Ok. Bon, on va en mettre une là, hein, même si... comment dire, des points de vue défensif, je vois pas vraiment l'utilité, mais bon. Que doit-on construire? Half-track prêt. Ah, le frac en rab. Va aller. Voilà, vous montez pour finir la pseudo-décoration en 2 minutes, j'espère que ça va être fait. Ah, je voulais pas que ce soit autant, je voulais pas que ce soit autant. Les alliés récupèrent les positions, ce n'était pas non plus l'objectif, hein, ça, je pense que vous l'auriez compris. Mais bon, voilà. Pouvoir mettre mes falchimes et gars. Donc en fait je pense j'aurais vraiment dû casser ça, décaler le 80 le plus sur le côté, et j'aurais pu normalement mettre la tranchée ici, mais je vois que là ça n'a pas fonctionné. C'est une erreur de ma faute, hein. Ça y a pas à nier, c'est une erreur de ma faute. Donc bah on fait avec. Alors j'espère en tout cas que cette petite ce petit épisode vous aura plu. Je sais, comme d'hab, voilà, c'est une reprise sur Colline 331, quasiment le même modèle à chaque fois. Mais comme je l'avais dit aussi, je voulais présenter d'une part le mode, là, les petits changements qu'il y a. Ah, c'est vraiment la route qui bloque. Ah, c'est vraiment la route qui bloque. Présenter le mode et ce qui va avec, donc comme d'hab, les 80 que j'ai modifié, etc. Aussi vous parler de la poche de Colmar, donc là comme il me reste près 1 à 2 minutes pour en parler, je vais en profiter. La poche de Colmar, comme je l'ai dit, en fait, a eu pour moi aussi meurtrière que la poche de Falaise, car finalement, en fait, les Américains dans certains villages, comme je l'ai dit aussi au début de l'épisode, eh bien en fait, il y avait perdu énormément de chars. Il y avait, je crois que c'est dans les Kerschwir, si je me trompe pas, ou un autre village, ils ont perdu 15 blindés. 15 blindés avant même de rentrer dans le village. C'était pas encore dedans. Ils voulaient rentrer, ils ont perdu 15 blindés à cause des défenses allemandes. Donc bah, là on va dire un peu, pas de malchance, mais faut pas après ne pas me dire que les Allemands aussi ont eu des pertes, mais que, voilà, ils en ont eu énormément, et ça a été un carnage immonde pour les deux, on va dire les deux...
les deux belligérants, voilà. Marc même savait plus, mais dit axe allié pour deux belligérants. Alors. Sinon à part cela, pas grand chose. Donc en fait voilà, cette colline était en fait en rappel avec les collines, enfin, l'alentour qu'il y a autour de Sigolsheim, pour ceux qui connaissent voilà, un peu l'Alsace. Il y avait une colline qui était en dessous de Pelisberg à côté de Sigolsheim où les Allemands devaient tenir. Et bon, ouais, je l'ai aménagé un peu à ma place, c'est pour ça que j'appelle ça Col de Colmar. Et je parle aussi de la doctrine bah, pour vous parler de ça. Simplement bah, ma doctrine préférée, hein. Enfin, vous devez le savoir ça aussi. Ensuite, c'est tout. J'aurais pu aussi, bah, je peux aussi vous montrer ce petit véhicule, profiter. Et en lancer ça car j'ai assez d'argent. Donc voilà. Alors comme d'habitude, j'ai encore une fois à me répéter, hein, on change pas les coutumes, j'espère que cet épisode vous aura plu, j'espère aussi vous revoir dans mes prochains épisodes, un commentaire et un pouce vert, ça fait toujours plaisir, ça permet d'évoluer. À part ça, ben, comment dire, pas grand chose d'autre. Hein. C'était Job 308, merci à tous et à plus. Allez, ciao.